Les activités de la Task Force des enfants sur le climat, dénommée Task Force Child Climate Activist, se poursuivent. Après le lancement officiel la semaine dernière, ce dimanche 20 août 2023 a été mis à profit pour former les enfants, les sensibiliser et une série de plantations d'arbres. Nous sommes là dans le cadre des activités de la Task Force des enfants sur le changement climatique pour non seulement leur montrer l'importance de la plantation, mais surtout les initier à la plantation des arbres. Donc vous voyez ici, nous avons passé par les expliquer l'importance d'un arbre, comment planter, entretenir un arbre et puis maintenant procéder à la plantation. Et à la fin, chaque enfant pourra rentrer chez lui avec une espèce végétale donnée où après on va les suivre pour voir lequel ou bien comment ils vont faire pour entretenir ces espèces d'ici un mois. Donc voilà un peu l'idée de cette activité parce qu'il est important que les enfants comprennent aussi l'intérêt des arbres, la nécessité en tout cas de préserver les espèces végétales que nous avons et surtout leur rôle dans le maintien et la protection des arbres. Donc voilà un peu l'intérêt de cette activité de cet après-midi. Outre la formation sur les enjeux de la lutte contre le changement climatique et la promotion de la voix des enfants, ces derniers se disent satisfaits pour cette 10e activité. On est venu planter des arbres. Planter un arbre, vraiment, c'est très intéressant pour moi. On nous a montré étape par étape comment planter un arbre, avant, pendant, après. On est venu planter des arbres. D'abord, on fait un petit tour, voir si le sol est humide. Avant de planter l'arbre, la plante, il faut enlever le sachet. Quand on enlève le sachet, on plante, on enlève doucement, doucement. On n'enlève pas tout en même temps, sinon ça va se gâter. On enlève doucement, doucement. Quand on met ça dans le sable, on enlève le reste. On ferme ça, on ferme le trou, on arrose ça un peu. Initié par l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement et appuyé par l'organisation Save the Children Niger, la Task Force des enfants sur le climat vise à promouvoir la voix des enfants au Niger.